Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Les auditeurs, vous connaissez ce qui a dominé l'actualité, hein? C'est dans le journal là, vous connaissez déjà ces assassinats qui fait depuis dans la nuit hier sous le président de la République, là, Jovenel Moïse, dans la résidence privée dans Pèlerin 5, côté président, perdu la vie dans l'attaque ça qui fait contre le président et madame ni sorti blessé dans l'assassinat qui t'a fait dans KLA. Côté un commando, à mes jours, nan dan, débarqué, rentré, en dan, kay président, nan, Pèlerin 5, yo assassiné président, et puis madame ni blessé, elle reçoit 3 cartouches. Madame nan li même quoi li là, la prend soin, nan, États-Unis, nan, Floride, mais, li, avant ça, li te prend soin, nan, l'hôpital Canapé Vert, Port-au-Prince, li reçoit 3 balles, yon nan, bodeye li, nan, piel, avec, également, nan, poignet li. Mais pour la pour président lui-même, président, et après qu'on s'est juge de paix, t'as le fait, juge de paix, suppléant Bétionville, maître Carl Henri Destin, qui t'a le fait, sous cadavre président de la République, là. T'as fait quoi, mercenaire, yo? T'es massacré président. Yo crée, yo pété 2 yeux président République, là. Jovenel Moïse, yo cassé tous les 2 points, même j'en trouve, yo cassé 2 pieds. Et président, il recevoir plus passer 14 cartouches en bas main, commando ça, qui devine attaquer résidence privée président République, là. Jovenel Moïse, dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021, dans Pèlerin 5, la caille président. Donc, après ça, juge de paix suppléant Bétionville, maître Carl Henri Destin, lui était by l'ordre pour lever cadavre président de la République, dans Jovenel Moïse, qui était devant Cabane, dans Chamni, avant que il était mené dans Parksville. Information fait quoi que le commando ça a fini d'entrer en dedans caille président, Chamna, porte caille président blindé, yo lagué une détonation pour capable sauter porte là, pour capable arriver entrer côté président. On a signalé que président républicain Jovenel Moïse t'a gagné de fortes dispositifs sécurité, n'importe 3 lignes de sécurité, et il a même renforcé dans le dernier jour ça avec des étrangers et particulièrement des Américains pour être capable de protéger, de couvrir la sécurité président. Mais en dépit de tout, bandit armé ça encore, nèg exam que les commandos, je dis, premier ministre haïtien dit, c'est des monde qui parlent anglais avec espagnol, je dis, c'est des Colombiens avec des Vénézuéliens, yo même, yo dérivé, yo même qui dérivé fait attaque ça sous président. Et ça va prendre temps, dans le finissement journée, la police nationale pays d'Haïti, mène une grosse opération dans Pétionville, là, et particulièrement dans la zone Pèlerin, hein, côté, il y a 4 nan moun ça qui veut perdre la vie, yo, gen de l'autre, qui jouent arrestation yo. J'en dis dans l'opération police nationale pays d'Haïti a mené dans finissement journée mercredi 7 juillet 2021. Jean premier ministre te fait quoi ça? Il te dit, assassinat et ça qui fait sous président de la République Jovenel Moïse, il n'est pas prêté impuni, il a fait tout ça qui est dans le pouvoir yo, pour que moun sa yo capable de répondre question la justice. Entre temps, gagné 2 Colombiens ou bien Vénézuéliens qui déjà en bas main la police, gagné 4 autres qui mourir, 2 moun sa yo qui en bas main la police, ils ont fait partie de commando qui s'est rentré dans la résidence privée président de la République. Là, Jovenel Moïse qui s'assassine dans la condition que nous connaissons déjà depuis hier 7 juillet 2021. Premier ministre haïtien Claude Joseph, lui-même, il a intervenu après intervention ça. Il fait quoi que son Zach Barbar, pendant ce temps, qu'il longe la main, par opposition avec tout secteur en d'un pays, hein, pour qu'il soit capable de pacifier le pays, hein, et ensuite, pour capable de faire pays, hein, pour un route chemin, développement et progrès. Dans ce sens-là, nous invitons à écouter Premier ministre haïtien Claude Joseph pour un petit bout de temps, bon, qui dit que c'est Premier ministre, mais grand pile contestation qu'a fait sur question ça, parce que des nouveaux premiers ministres ont l'autre arrêté qui était temps révoqué Claude Joseph, ont arrêté qui devine nommé Ariel Henry comme premier ministre, mais qu'il pas de temps installé. Donc, grand pile commentaire, grand pile spécialiste en question constitution eux-mêmes qui gagnent pour réagir de temps en temps au fur et à mesure sur antenne Radio Pyramide. Et les amis auditeurs, ils sont capables d'informer, ils sont capables d'appréhender des questions très bien. En attendant, nous allons plutôt écouter
Claude Joseph, lui-même qui a joué rôle premier ministre, chef exécutif là, lui a réagi sur question arrestation de Mounsa Ounouzou et quatre autres d'ailleurs qui mourir. Il dit c'est comme un de ça qui t'a attaqué car le président républicain Jovenel Moïse n'a pas le rein et qui portait la vie président. On a un petit problème technique pour nous être capable d'entendre voir président, voir chef exécutif haïtien Claude Joseph pour un petit bout de temps. Je vous remercie même sur question commando qui arrêté, nous avons deux là qui arrêté, il y a quatre des autres qui perdent la vie, et ils ont annoncé qu'il y a une opération à continuer dans toute zone, dans la zone Pèlerin, en particulier, avec dans toutes les communes, Pétionville en général, pour être capable de poser la patte sur Mounsao qui peut être assassiné, ça, sous le président républicain, Jovenel Moïse, dans la nuit 6, pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Donc, dans mon coin là, nous pouvons entendre Claude Joseph, lui-même, qui a joué rôle chef exécutif là, notre troisième intervention, il fait dans la presse, n'a pas vu de côté Claude Joseph. Bonsoir à tout le monde. Merci parce que nous avons trouvé une fois ça à soir. Ça fait une deuxième fois que nous avons rencontré. Pour nous parler de l'évolution de la situation. Je ne te connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur les dépouilles mortel président. Et depuis là, il est déjà transporté dans le monde. La capitale. Pour un damnant, il faut le danger. Il faut soigner dans la Floride. Et l'information nous vient, la situation est stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé, ici là dans la résidence privée du Premier ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, on CSPL, ensuite, un conseil des ministres, côté ensemble, nous prenons une décision. De décréter l'état de siège dans le pays. Après le conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au cadre. Nous sommes contents que la population est en délire. Parce que je dis à nous comprendre que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit tendance politique, quelle que soit idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre, on ne peut pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare. Ça qui commet sous président. Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à Corbeau-Blanc. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et sollicité solidarité communauté internationale là parce que le pays a fait face à une réalité, du moins à vivre un moment difficile. Donc, nous remercions les membres de Bobio qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que nous offrons effectivement à Haïti. On a eu un entretien téléphonique avec
secrétaire d'État américain. Il a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, pays États-Unis offrit encore une fois support. Nous parlons d'élection, nous parlons de sécurité, nous parlons d'accord politique. Durant la journée, nous avons eu la chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches en dans l'opposition. On m'a dit que nous mettons ensemble pour condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, on a eu un pile secteur dans l'opposition qui a été condamné action barbare ça. Peuple haïtien, je dis à moi, je connais que chaque grand monde qui a regardé là, il est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je vais lancer un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine, nous avons une permanence pour nous kembe pays. La situation sécuritaire là sous contrôle. Nous faisons appel avec membres opposition, différents secteurs. Nous disons, même Jean, le président Jovenel Moïse, c'est toujours au global. C'est comme ça, je dis, nous-mêmes qui commandons le pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus à la crise qui déjà duré trop que la population c'est lui qui a payé conséquences. Pour ça qui vient à ouais, avec merci Neyo. La police nationale d'Haïti, la MEA, déjà encerclée au côté de l'OIA. Nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime te dire matin, acte barbare ça n'a pas été impuni. Nous pouvons quitter nous, passer pendant à DG PNH là lui-même qui va donner plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population qu'on est qui monde qui commet AXA. Côté ou d'un côté Claude Joseph lui-même qui a joué le rôle chef exécutif là dans moment de troupe ça côté président République Jovenel Moïse perdu la vie dans conférence pour la presse il a hier sous situation qu'a traversé pays. Mesdames et messieurs, vous, j'en désolé déjà mon qui va poser plus d'informations sur quatre monde qui mourent de l'autre qui jeune arrestation dans opération police nationale d'Haïti mené dans finissement journée hier mercredi 7 juillet dans Pétionville. Deux monde ça fait partie de commando qui entrent dans résidence privée République là dans résidence privée président République Jovenel Moïse qui s'assassine et madame ni recevoir 3 balles d'après toute information au quoi l'âge cap soin dans l'hôpital dans l'état Floride. Directeur général PNH fait quoi que tu gagné un policier qui te prend en otage qui veut libérer dans attaque ça ou encore dans opération ça que la police menait toujours hier mercredi dans Pétionville. En côté directeur général pour petit bout de temps police nationale d'Haïti Léon Charles. Instruction de recevoir. Depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les personnes. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquer. Et depuis hier soir, nous avons bataillé. Une quantité qui est réfugiée au niveau de la boule. Pèlerin.
nous engager la bataille avec eux. Il y a quatre là-dedans qui tombent. Il y a deux là-dedans qui ont intercepté, qui sous contrôle nous. Et il y a trois policiers qui ont pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là, engagé une bataille avec Hassan Yassayo. La pourchassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort dans l'échange de tir, il est tombé, ou bien soit nous appréhender. Poursuite la continuer. La police a déterminé pour le fait travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre régne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer de travailler pour faire régner la paix malgré les situations difficiles. Au côté du directeur général de la police nationale pays d'Haïti, hein, pour un petit bout de temps, Léon Charles, lui-même qui a réagi sur l'intervention que la police fait hier, quand il y a quatre bandits ou bien assaillants, ou bien commandos, quatre commandos qui étaient entrés, la caille président de la République, Jovenel Moïse qui assassiné, quand le président a perdu la ville dans l'attaque, il y a deux qui ont arrêté d'après Léon Charles, mais c'est allé qui a fait quoi? C'est plus passé une vingtaine de monde qui étaient entrés à la caille président de la République pour mener opération ça dans Pétionville, parce qu'il y a dans Pèlerin 5 la caille président de la République, Jovenel Moïse. C'est allé pour entre-temps, pays a sous état de siège. Depuis hier, conseil ministériel prend un décret pour que ou encore pour mettre pays en sous état de siège. Ministre de la communication près de l'Enriques, non prend presque d'abord dans primatien, mettre accent sous état de siège ça que pays en hier. Premier ministre a annoncé sous pays d'Haïti pour 15 jours suite à la mort chef l'état haïtien Jovenel Moïse. Bon, ministre de communication et culture a mandé encore mettez, ministre, fait qu'on est, la MEA avec la police, pour aller doubler vigilance pour assurer sécurité population. Nous invitons à écouter, ministre de communication et culture, pays d'Haïti, Pradel Henriques. Quand tu nous mets au bon assaillant à mon amour, je suis dans le réel et l'état.
tel bagage, comment ça permet à ça, ça veut dire sauver. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication, c'est ça qui fait communication, mais ça veut dire éthique avec mon déontologie. Et donc, on est actuel, justement, il est entré sur le territoire, et si tu as déontologie, ça, il est mis, mettons, veto. Au niveau du gouvernement, c'est pas intention de mettre veto, mais là, nous envoyons vraiment à morale et à déontologie des tiers, comme on a une information partout, pour nous connaître que rien d'information qui a véhiculé, notamment sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en faveur. Ça qu'a fait là, parce que la police actuellement n'a pas les larmes à opérer jour et jour jusqu'à ce qu'on prenne tout pour nous, quel que soit le côté où il est mangé, parce que c'est sous territoire étranger, au lieu sous territoire haïtien, pas territoire païen, ni pas même un bureau résident qui est lui, donc c'est logique qu'il a cherché le grand côté où il y a et que l'eau baille une explication à la police. Donc c'est dans ce sens qui est important pour Mathieu Adamson, que ça qui est important pour nous, entre nous. Si vous êtes dans sa presse, parce que vous référez à d'avoir parole, mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître un vrai assiette-là, pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il est important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que les informations d'appliquer, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour le faire, en rappelant que nous pouvons faire. C'est une caractéristique d'assiette-là. Là, ça veut dire que, par exemple, à ce moment-là, la police a opéré. Donc, on s'y de monde, et à part que ces gens-là, ils sont tout le monde, pas de chaud, clairement identifié, pas aucun problème, sinon pas de temps d'avoir fait. On s'y médecin, on s'y de métier, on s'y de monde, il y a des jobs, il va le faire, vous l'identifiez, pour que la police va monter dans l'aide. On s'y de l'autre, on s'y de la caille, on va nous faire intérêt pour s'y de la guerre, parce que c'est état de siège, et c'est pour vous le faire. Il y a un caractéristique état de siège-là qui c'est l'armée. On remplace automatiquement le rôle de la police. Nous avons là, je tiens, l'état de siège, mais on continue l'état de siège pour une cohabitation de l'armée et la police. Et donc, c'est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de mission sacrée pour sécuriser le territoire, parce que nous qui tuons le président, le réflexe c'est créer un chaos. Le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer la continuité de l'État. Donc la continuité de l'État, liée à chaos, liée au principe du suivi côté souveraineté des liens, qui ne menaçait pas les gestionnaires de continuer à fonctionner, et en même temps que les gestionnaires, de rendre les choses à la justice. Donc, je crois que c'est peut-être ça pour nous, c'est l'important, c'est l'État de l'État qui d'ailleurs a duré 15 jours. Et c'est pas un autre sens, on est difficile à dire. À part que nous, l'État de l'État, pas oublier, nous avons vu une situation de COVID-19. On n'a jamais oublié ça parce que nous voulons appeler ça. Je veux dire, même si nous avons un masque, un masque à l'âme, on continue. Et nous avons profité occasionnellement comme si vous voulez voir parler, avant de faire un complémentaire pour nous présenter paysans, nations, qui s'est parti et a formé le président de l'outil et le cap travail. Voilà, les amis auditeurs, on a excusé pour qualité extrait, pour qualité sonorisation, hein, mais nous devons attendre toute information qui gagne sur ce qui a passé dans le pays. Hein, nous attendre tour à tour, président ou encore chef CSPN, qui c'est premier ministre haïtien, hein, Claude Joseph, gagne directeur général de police, lui-même tout, qui a intervenu sur monde qui a arrêté, gagne deux monde qui a arrêté, gagne quatre qui perdent la vie, gagne plusieurs policiers qui étaient bien en otage, mais commando lui-même tout, qui libéré dans l'intervention. En coopération, la police a mené ailleurs ou soit dans Pétionville. Vous attendez, ministre Culture et Communication, hein, Pradel Henriques, lui-même qui a réagi sur la situation pays, particulièrement sur l'état de siège qui sous pays d'Haïti. Entre temps, il y a quelques habitants qui étaient dans l'entourage du président de la République, là, Jovenel Moïse, dans Père Lorrain 5, qui ont même dû vivre l'événement qui a passé dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021.
habitants ça expliquer façon yo te vivre situation tragique ça quand elle était commencé dans 1h du matin pour arriver jusqu'à environ 2h comme ça. Citoyens ça pas cacher frustration yo et yo souhaité coupable yo arriver puni comme ça droit contre crime qui fait contre président République là et que pour nation capable joindre justice. Nous invitons écouter quelques dans citoyens qui dans entourage président particulièrement dans Pèlerin 5 dans Pétionville qui a porté précision dans micro la presse. Et nous souhaitons ça par un produit encore, mais nous souhaitons mon le président qui est pour l'assurer et que pour faire de mieux pour ça pas arriver. Ah oui, ça vraiment choqué jusqu'à présent. Il choqué ma pile parce que imaginons mon quartier, première fois moi-même m'a habitué dans une zone comme si qui grand pile et bagaille ça yo, comme si pour la première fois dans ma vie et comme si m'entendais toute rafale. Et moi pour mes tremblements de terre, vous comprenez? Parce que m'pas habitué, moi m'pas à citer ça le pays, hein? Et puis bon, ça a vraiment choqué jusqu'à présent. Vous sortez, vous dites bon. Le président est bon là, quand on est là, il est là, il dit bon, sortez pour moi, ça gagne de l'eau à tout. Mais tout le monde a une raison de confiner, et ce n'est pas seulement faire le recet. On confine tout. Moi, c'est tout le pays qui en branle. Oh, situation jusqu'à présent, on va arriver bien, on dit ça déjà, et que ça avance. Tout le monde se choque, on est choqué, parce que le président de la République, même nous avons des problèmes avec, mais nous ne pouvons pas souhaiter ça, nous ne pouvons pas souhaiter là. On a écouté quelques monde qui habitent dans l'entourage du président public dans Jovenel Moïse, dans Pèlerin 5, eux-mêmes qui ont réagi sur situation ça qui passait avec le président, quand le président Bézi Lavilly dans attaque en commando armé fait dans la résidence dans Pèlerin 5, quand le président Bézi Lavilly et madame ni recevoir 3 balles, quoi il est là nous la prend soin dans l'hôpital dans l'État Floride, dans Miami. Le président public lui-même, moi quoi cadavre, le président public dans l'hôtel Jouenny, devant Cabani, avec une façon terrible, le jeune coup président cassé, pour être cassé, pied cassé, puis deux yeux président pété, et le recevoir au moins 14 balles dans main à Sayayo qui devine attaquer couple présidentiel dans la résidence dans Pèlerin 5. Je connais là, c'est dossier assassinat président, c'est le cap dominé actualité, hein, président Jovenel Moïse qui fait un pile réaction à travers. Monde là et même gens en dans pays d'Haïti. Dans ce sens, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sous demande des États-Unis avec le Mexique, après organiser une réunion à l'extraordinaire sur le pays d'Haïti, j'en doute particulièrement sur l'assassinat qui fait en président de la République, Jovenel Moïse, journée jeudi 8 juillet 2021, dans le siège des Nations Unies gagné dans le pays des États-Unis. Et justement, sous même dossier ça, il y a l'ambassadeur de la France là, qui occupait présidence conseil permanent sécurité des Nations Unies, hein, lui-même qui réagit sur ce qui passait pays d'Haïti, hein, dit condamné avec conseil de sécurité des Nations Unies, dit et choqué devant ce barbare ça. Il est préoccupé par la situation qui a développé dans le pays d'Haïti et il croit que l'assassinat qui fait contre président de la République, Jovenel Moïse, il a condamné la situation ça. Conseil de sécurité des Nations Unies, qui c'est ambassadeur, connaît que ambassadeur pays de la France a poté et lui-même qui a occupé présidence là a poté précision sur ce qui passé dans le pays d'Haïti et qui position Nations Unies gagnent à partir de assassinats qui fait contre président République là Jovenel Moïse. En écouter pour un petit bout de temps ambassadeur la France là dans le pays Nations Unies. Présente séance, je voudrais au nom des membres du Conseil de sécurité exprimer notre tristesse à la suite du décès de Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, président de la République
D'Haïti, les membres du Conseil se disent profondément choqués par l'assassinat du président Moïse, survenu plus tôt dans la journée à Port-au-Prince, et préoccupés par le sort de la première dame, Martine Moïse, qui a également été blessée par balle dans l'attentat. Les membres du Conseil expriment leur profonde sympathie à la famille du président, ainsi qu'au gouvernement et au peuple haïtien. Voilà, un auditeur, t'as écouté l'ambassadeur de la France, qui est dans les Nations Unies, lui-même qui a occupé de présidence Conseil sécurité Nations Unies, où on a une rotation qui fait tous les mois. Donc, c'est lui-même qui a réagi pour tout le Conseil sécurité Nations Unies, et même sous ça qui passait, pays d'Haïti, il a condamné Zach Barbarossa qui passait dans le pays, en côté que un commando entré, il a assassiné le chef d'État haïtien, Jovenel Moïse. Pas du grand pile réaction qui sortit dans la communauté internationale, là, il y a un secrétariat général de l'organisation État américain, lui-même tout dit, il est condamné, dans un thème qui est plus fort à criminel ça, qui fait sous président Jovenel Moïse. Attaque ça, c'est un affront contre la communauté internationale, là, également contre contre communauté nation. Yo. Et puis, son mode opératoire, tout, il a déploré tentative qu'a fait pour boycotter la démocratie dans le pays d'Haïti, d'après notre ça qui est aussi dans le secrétariat général organisation État américain. Yo. Panzou, entre temps, gagné président américain lui-même tout qui fait sortir réaction par lui par à travers ambassade pays ambassade États-Unis dans pays hein, qui fait croire que président américain Panzou bien avant ça il a dit assassinat Jovenel Moïse, donc t'es préoccupé en pile. Président a fait une première déclaration, président Joe Biden a fait une première déclaration ça avant de prendre avion pour aller dans Illinois, mais on mettait une note dehors, Maison Blanche même qui réagit, il met une note dehors, il dit que nous réellement nous saisis et puis nous attristés de nous apprendre assassinat terrible président Jovenel Moïse et attaque qui fait sur première dame pays d'Haïti hein, Martine Moïse, nous condamnés Zak abominable ça, et puis, moi, vous souhaite sincère rétablissement pour première dame, là, Martine Moïse. États-Unis, présenté, condoléances, libaye, peuple haïtien, hein? Et puis, y'a paré pour bail, toute aide qui est nécessaire pour capable continuer le travail pour un Haïti qui sans danger, et puis, qui gagne sécurité, d'après notre sang, qui sorti dans Maison Blanche, qui est capable de consulter sur site ambassade américaine dans le pays d'Haïti, côté président américain Joe Biden, lui-même, lui, condamné, l'assassinat qui fait sous président République là, et n'a signalé pour vous, président Joe Biden, bien bonheur dans la journée hier, il a dit nous avons besoin de plus d'informations sur ce qui est passé dans le pays d'Haïti, hein, mais c'est une situation qui est très préoccupée le pays, les États-Unis. Et Joe Biden a fait déclaration ça, quelques temps avant de prendre avion pour le là, à l'État Illinois, toujours dans le pays États-Unis. Entre temps, gagné chef gouvernement haïtien, premier ministre Claude Joseph, qui a occupé chef exécutif là pour l'instant, il dit parler avec le secrétaire d'État américain pendant un bon bout de temps, après l'interview dans la déclaration de l'affaire, Anthony Blinken, qui lui-même tout condamné les assassinats qui fait sous président Jovenel Moïse, côté madame Martine Moïse aussi blessée. Anthony Blinken demandé pour la population pour que l'élection soit capable d'organiser la date qui était prévue en dans le pays d'Haïti. Donc, nous allons continuer toujours avec réaction qui gagne. Bon, côté plusieurs personnalités politiques, nous gagnons président dans l'international là, gagne Abinader, président République Dominicaine dans lui-même, qui réagit tout, il condamné ça qui passé dans le pays d'Haïti, hein, Zach Sassinaï, qui fait sous président République là, Jovenel Moïse. Entre temps, président Abinader, fermer frontières qui gagnent entre Haïti avec République Dominicaine suite à assassinat qui fait contre président Jovenel Moïse. Mais qui s'appelle le président Luis Abinader dit, il dit nous regrette et nous condamné magicide président haïtien Jovenel Moïse et première dame Martine Moïse. Crime ça a porté atteinte à l'ordre démocratique là, dans le pays d'Haïti et également dans toute région. Comme ça, nous présentons condoléances nous, bah, famille Moïse là et à tout peuple haïtien.
ça c'est réaction par côté international yo gagné notre conseil de sécurité des Nations Unies qui lui-même jeudi là il va faire une réunion d'urgence sur question haïtien c'est sur demande États-Unis avec Mexique travail ça réunion ça après le fait après assassinat qui fait contre président républicain Jovenel Moïse par commando armé gagné Grande-Bretagne gagné la France un paquet de pays yo même tout qui réagit face après assassinat qui fait contre président républicain Jovenel Moïse. Entre-temps, nous allons regarder sur le plan local pour nous regarder qui réaction qui gagne après l'assassinat qui fait contre le président haïtien Jovenel Moïse, lui-même qui mourit à l'âge de 53 ans. Gagne plusieurs réactions dans la communauté locale. Là. Nous allons regarder un texte en attendant. Et puis là, fini, nous allons voir une déclaration, nouveau premier ministre, encore premier ministre haïtien, qui va être installé à Ariel Henry, non interview le bail, ensemble avec journal Le Nouvelliste. En bonne réaction, d'abord, chef et plusieurs dirigeants politiques. D'abord, nous avons ancien président Michel Martelly, lui-même, qui c'est, côté Jovenel Moïse, c'est Pouleni, c'est allié Jovenel Moïse, c'est lui, que président est succédé. Président Joseph Michel Martelly dit Haïti réveillé avec une nouvelle sur assassinat cruel. Président Jovenel Moïse. Le président Martelly dit l'a regardé madame président républicain Martine Moïse dans prière li elle partager douleur famille à côté la présenter sympathie li. C'est un coup dur pour pays et pour démocratie dans pays d'Haïti qui pourquoi croire comment li pral rejoindre Woodley. Sur compte Twitter ancien président Jocelyn River li même tout li exprimé dans terme ça yo regret li face à l'assassinat qui fait contre président républicain Jovenel Moïse. Président River dit condamné énergiquement assassinat crapuleux et brutal ancien président Jovenel Moïse. Haïti a vu jeudi a un pire épisode dans cheminement vers démocratie. Dans pile circonstance présenté ses partie à famille Moïse et à peuple haïtien. Nous avons cité président Privert lui-même dans réaction face à l'assassinat qui fait contre président républicain Jovenel Moïse Janzo qui perdit la vie tête noire hier 7 juillet 2021 en bas mais un commando armé qui rentrait dans résidence privée li. Sobopal, président Sénat haïtien Joseph Lambert lui croit que son émotion qui empile et me sentime non confusion totale nuit ça président Jovenel Moïse assassiné c'est avec plus grande véhémence que me condamné crime odieux ça qui rappelait nécessité qui gagnait urgente nécessité qui gagnait pour un grand dialogue haïtien nous devons bah raison à institution yo au lieu que nous-mêmes ces paroles président Sénat qui dysfonctionnel là qui gagne seulement 10 mois d'année sénateur Joseph Lambert sous-parpal ministre justice et sécurité publique là Wapfeller Vincent les font appel à union pour être capable de sauvegarder la démocratie qui menaçait dans le pays d'Haïti. D'après le ministre de Justice et de Sécurité publique, la nation en deuil. Président nous, Excellence Jovenel Moïse, ils sont assassinés lâchement. Force fait noyau. Ils voulaient semer chaos en d'un pays, mais ils n'ont pas réussi à mettre la nation haïtienne à genoux. N'a pas serré rien pour nous préserver la démocratie ça qui menaçait d'après un tweet, qui sortit, bon côté, ministre de Justice et Sécurité publique pays d'Haïti, Rockefeller Vincent. Alors que parti PHTK lui-même tout lui réagit sur situation ça exact et également non note qui pose signature au président parti haïtien tête caléan Liné Baltazar il déclaré lui apprendre avec consternation l'assassinat qui fait sous président républicain Jovenel Moïse et ensemble avec blessure que madame ni première dame là, Martine Moïse lui-même tout lui recevoir PHTK il condamne vigoureusement lâche assassinat avant terme mandat un président qui démocratiquement élu sous bannière PHTK dans terme élection présidentielle qui était faite en novembre 2016 ans. Pendant ce temps, la présenté ses condoléances li à parents, amis, famille présidentielle là et également à membres militants et sympathisants mouvance tête calée. PHTK dit lui sentir affligé et endeuillé par l'assassinat ça et exhorter acteurs politiques pour et force vivante d'un pays pour faire preuve de sérénité quant à devoir pour
œuvrer pour travailler pour un lendemain meilleur pour petite fille et petit garçon dans chère patrie qui c'est Haïti chérie que nous rêvons tout le temps. Gagné direction politique opposition démocratique dans Dirpod lui même beaucoup de parler dans notre métier de yo dit que également yo apprendre avec constellation assassinat président république dans Jovenel Moïse Dirpod dit condamné AXA c'était condoléances à toute famille victime Dirpod ensuite mandé à la police nationale pour prendre disposition qui nécessaire pour protéger toute vie avec bien de tout le monde dans situation qui compliquée que pays ont retrouvé le jour jeudi. Nos notes qui pour des signatures Rosemont Pradel, Sorel Jacinthe avec Yuri Latortue, Dispod dit demande des populations pour garder tête yo frette et puis pour pas livrer à acte de pillage ni violence pour éviter compliquer situation davantage. Dispod dit la concertée avec toute force politique dans l'opposition, organisation société civile, pour que ensemble, il est capable de proposer une situation, une solution solide dans la nouvelle conjoncture pays d'Haïti, en prenant, journée jeudi, d'après notre sac qui sorti, bon côté direction politique, opposition démocratique, là, dit Pod. Tu vas parler, l'idée MTV, un mouvement troisième voie, qui est en tête, lui, Dr. Reginald Boulos, sur compte Twitter, il écrit que assassinat président Jovenel Moïse, là, sont mauvaises nouvelles pour pays d'Haïti, et nous condamner tout à toute force nous crime ça qui fait dans pays nous continuer croire que violence pas mener en canain elle pas bail solution à problème n'a traversé je dire comme ça nous demander à la justice dans pays d'Haïti pour faire travail et peuple haïtien nous devons mettre tête ensemble pour nous travailler pour la paix et sécurité capable tourner dans pays d'Haïti tout bon parle structure nous pas dormir qui sont structure Petro Challenger, yo dit que yo même yo choqué par assassinat ça et yo profité condamné et assassinat qui fait contre Jovenel Moïse là. Yo constaté que citoyens continuaient à tuer, yo constaté que citoyens yo continuaient à mourir en d'un pays hein. En qu'en couche dans société hein, yo pas épargné. Dans société a pas protégé de assassinat ça yo, gens nous toujours affaire depuis juin 2021, nous pas dormi lancer un SOS pour protéger la vie moun en dans pays et protester contre banalisation la vie. Nous pas capable chaque jour à continuer à faire même cumul qui c'est moun n'a contrôler moun qui tue en dans pays. L'temps que règne impunité incapable suspendre et que moun qui tombe en bas assassinat ou bien massacre qui fait dans pays yo capable joindre justice. Coupable de répondre de accio devant la justice, c'est ça nous capable li dans notre ça qui sorti bon côté structure Petro Challenge ça qui est nous pas dormir et qui lance un appel ba tout citoyen pour regarder cœur yo et nom yo et puis pour lancer à patte pour patriote yo en particulier acteurs politiques à société civile là pour entreprendre dans plus bref délai initiative de concertation pour capable éviter aggravation situation dans le pays d'Haïti. Secrétaire général parti politique RDNP, Éric Jean-Baptiste, il déclarait également que le profondément attristé par nouvelle mort président républicain Jovenel Moïse. Il dit moi profondément attristé par assassinat ancien chef d'État pays moi en tant que simple citoyen présenté sympathie en particulier à petite li et qui ont même touché par acte brutal ça disparition brutal ça et c'était pour un rétablissement à madame Martine Moïse. En tant que responsable politique, secrétaire général, Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, je me sentis vraiment bouleversé, révolté pour faciliter avec laquelle chef d'État est arrivé assassiné dans la résidence privée. C'est Éric Jean-Baptiste qui a parlé. Il m'a interrogé sur la fragilité situation sécuritaire générale pays d'Haïti. Dans ce sens, il m'a recommandé à tout secteur organisé dans le pays pour réfléchir sur l'action qui doit et entreprendre dans l'immédiat pour capable ramener une situation calme et prendre décision pour éviter le pire du pire en dans pays d'Haïti. Leader parti politique Petite Dessalines, sénateur Moïse Jean-Charles, lui-même tout, que Kaili dévasté, Kaili pillé, il dit le condamné les assassinats qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse, son compte Twitter, et il dit quelque soit raison que tu es capable de gagner, hein, lui-même, lui condamner ça, et type d'assassinat ça, son bras, qui révolue, et il peut faire partie de démocratie, pour qui, que nous-mêmes, nous toutes, n'a bataille la donne. Puis, Dessalines, il condamné avec toute force, exécution sommaire, qui fait contre le président de la République, Jovenel Moïse. C'est un crime lâche que nous condamnons. Quelque soit raison, type assassinat ça,
pas à la mode encore et yo pas fait partie de démocratie n'a goumen pou li hein. Président de Saline dit peuple haïtien hein, tant mot d'ordre li. D'après sénateur Moïse qui m'a dit qui notamment lui révélé que commando ça qui était passé la Kaili également matin après m'a dit hier mercredi 7 juillet que yo mettait du feu et au boulet puis fa bagarre la Kaili. Et il dit bon Dieu merci pour ça qui t'est passé. Ils sont acte intimidation que condamné d'après ancien sénateur Nolan Jean-Charles Moïse. Entre-temps, il y a un mouvement en avant de Jerry Tardieu. Il y a même tout qui ont note de pression publiée sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là, il dit qu'une raison dans le monde n'a pas qu'à justifier recours à méthode sordide ça et barbare pour mettre fin à vie l'autre monde voir vie chef l'État en pays qui est président de la République, Jovenel Moïse. Dans ce sens, en avance, il est condamné à crapuler avec plus grande rigueur. Drame ça, lit, pas de nom, et c'est devenu un moment critique dans la vie nationale, là. Côté institution républicaine, il est déjà fragilisé et même dysfonctionnel. Ça mettait en péril la continuité de l'État. Comme ça, on a appelé, nous, sursaut patriotique, toute force vivante d'un pays, hein, et puis à tête politique, plus capable, soit à la hauteur de enjeu moment, ou encore de gravité l'heure. Trop sans couler dans le pays, hein, les temps, l'heure pour mettre fin dans l'intolérance, et puis dans la dialectique des âmes, hein, plus capable de faire choix, l'arme de la dialectique, c'est ça, nous capable de lire dans notre ça, qui portait signature, ancien député Jerry Tardieu, Nancy Vilse, Michel-Ange Régis, ensemble avec Émol Jeune, notre bonne réaction, classe politique là avec des citoyens dans le pays d'Haïti ou même qui a réagi sur assassinat qui fait contre le président de la République là Jovenel Moïse à partir de notre saio gagne un pilote réaction encore l'arrivée pour nous faire un journal levé campé mais juste avant de nous faire un journal levé campé n'a besoin que Claude Joseph pas premier ministre pays d'Haïti encore mais fait partie du gouvernement maintenant. C'est parole Ariel Henry, premier ministre nommé avant président de la République, mouri Jovenel Moïse. Non interview libé avec le journal Le Nouveliste, on a parlé c'est traduit pour vous. Parole premier ministre nommé Ariel Henry qui dit que Claude Joseph pas premier ministre pays d'Haïti mais fait partie du gouvernement que lui-même l'a monté. N'a pas signalé pour que le premier ministre était nommé dans la date 5 juillet, environ 24 heures d'temps avant l'assassinat qui fait contre le président de la République Jovenel Moïse. Docteur Daniel Henry, il n'y a pas de guetin pour le déformer le gouvernement et pour le entrer en fonction. Comme ça, lui, je dis, il est sous bonne touche là. Cependant, lui revendique droit pour le diriger primature là. Il dit, il n'y a pas mettre l'huile sous du feu. Hein. Il veut éviter autant que le faire sale capable pour pays à pas enflammé. D'après Ariel Henry, selon sa avancée dans le jeu, dans l'interview ça que accordé à journal Le Nouveliste hier mercredi soir. On a continué pour nous, il dit Claude Joseph a fait un bon travail jeudi, hein, que moi-même m'apprécie. Moi-même, moi c'est premier ministre, non arrêté, qui te prend en faveur moi dans moniteur. Et m'te sous route pour m'te choisir membre cabinet ministériel là. Et nous t'es une situation très avancée. Qu'on y a, faut m'continuer, mais dans le contexte actuel, m'pense que gain opportunité pour nous chita parler, pour nous arriver avec un accord, qui permettre nous aller dans le climat, dans le meilleur climat, vers l'élection yo. Et comme ça, pour nous capable monter un gouvernement qui est capable de créer climat favorable ça pour capable organiser élection en d'un pays et mettre sécurité parole pour le ministre nommé Ariel docteur Ariel Henry. Cependant Ariel Henry dit partager quelques décisions que Claude Joseph prend dans dernière 24 heures ça notamment état de siège là que le décrété sur tout territoire pays d'Haïti hein? Pardon il dit que il pensait que nous parlons en situation. Il croit que nous avons une situation qui méritait, qui nécessitait l'état de siège là. Il pensait également que seulement son mari a quitté anticraste précipité d'après point de vue premier ministre qui nommé. Un gouvernement démissionnaire, c'est un gouvernement démissionnaire d'après Jean Comprenny. C'est pas un gouvernement qui est en plein exercice. Il veut parler, il veut faire référence à un gouvernement
Claude Joseph a dirigé hein, parce que gon arrêté qui nommé Ariel Henry comme nouveau premier ministre. Il dit c'est pas un gouvernement qui est en plein exercice. C'est pas de nécessité pour de gagner l'autre gouvernement. Il pense que le président républicain Jovenel Moïse lui-même, il va venir chercher lui-même ni faire consultation ensemble avec lui pour monter un autre gouvernement. Il dit que nous pas capable de croire que le climat qui arrive là brusquement là capable un climat apaisé d'après ça Ariel Henry avancé. Médecin neurologue là, il estime que dans la situation nous aujourd'hui, il est important pour nous chita ensemble pour nous parler. Moi c'est un premier ministre nommé, Claude Joseph c'est un premier ministre intérimaire qui reprend position de ministre affaires étrangères. Moi pense qu'il faut que nous chita parler. Claude censé rester dans le gouvernement que moi-même m'a pas gagné pour monter. Pour Ariel Henry, Claude Joseph, pas premier ministre, mais plutôt, plutôt ministre affaires étrangères. Et est-ce que capable de poser cette question, est-ce que capable de gagner plusieurs premiers ministres dans un pays en seul coup d'après question que Ariel Henry a posé tête li. Il a ensuite demandé est-ce que un calendrier selon lequel nous capable compléter les questions que t'a posé Ariel Henry, est-ce que un calendrier et que l'étape compléter gouvernement là que cap permettre d'entrer en fonction. À question ça que nous voulons te poser Ariel Henry, il te répond dans terme ça. Il y a un calendrier qui te prévoit avec le président Jovenel Moïse, mais pour qu'on y a il est décédé. Moi, pense que faut nous joindre un consensus avec tout acteur, parce que moi, pas seul maître à bord. Ariel Henry croit que faut discuter avec acteurs qui impliqués dans la classe politique là et avec 10 sénateurs qui encore en fonction dans le Sénat République là. Les interrogés, vous le connaissez, si en contact avec acteurs dans la communauté internationale là, premier ministre nommé Ariel Henry, il parlait avec en pile là-dedans, un certain nombre de gens, il parlait avec quelques monde là-dedans dans la communauté internationale là, mais il parlait pour des précisions sur personnalité qui ça que il était parlé ensemble avec eux. Il affirmait toutefois que il est en contact constant avec Claude Joseph lui-même qui a mené bac pays pour l'instant. Donc pour Ariel Henry, assassinat président de la République Jovenel Moïse sont acquis épouvantables et qui inadmissibles. Ça révolte et blessé profondément. Peuple de comporter de façon très digne. Peuple a comporté de façon très digne face à acte barbare ça d'après et gens que Ariel Henry lui-même lui conclut interview ça que le gagné ensemble avec journal Le Nouvelliste. Nous jours ça fait point fort interview ça c'est que Ariel Henry nouveau premier ministre qui nommé que président de la République a été nommé par arrêté présidentiel là qui vient remplacer Claude Joseph qui fait quoi que Claude Joseph pas premier ministre mais lui-même c'est dit premier ministre seulement Claude Joseph a gagné pour occuper poste ministre affaires étrangères en dedans gouvernement que l'étape montée ensemble avec Jovenel Moïse là qui c'est président paysan qui décédé elle quoi journée jeudi en faire chita avec l'autre acteur politique en dans paysan pour capable joindre un accord pour capable un climat qui capable faciliter élection organisée dans paysan et mettre sécurité en dans paysan. Dans rapport avec communauté internationale là il dit que chita parlé ensemble avec plusieurs monde mais elle pas révélé en ken dans monde ça que lui parler. Donc nous avons demandé à ce que demandé lui également est-ce que mon calendrier pour te monter gouvernement mais le quoi que président le fait que tu gain calendrier hein, à cause président qui mourir hein, lui penser qu'on y a faut un consensus avec tout acteur parce que il pas seul mettre à bord. Donc Ariel Henry revendiqué pour sa premier ministre en lieu et place de Claude Joseph qui depuis l'assassinat qui fait contre président de la République Jovenel Moïse monté comme seul chef exécutif là pour que lui assure transition hein, Jean Fekwel en fonction de l'article 149 je crois de la Constitution Jean l'a annoncé dans première intervention fait la presse il fait dans la presse hier matin bien bonheur dans mercredi 7 juillet 2021.
Les auditeurs qui pigo point cap juste avant m'a présenté excusez-nous parce que les auditeurs c'est d'abord si j'en bégué dans texte là nous d'ab dire que nous d'ab traduire directement en français pour eux de français nous d'ab essayer traduire directement dans micro en créole donc excusez-nous pour qualité traduction mais nous bon l'essentiel information sur interview ça docteur Ariel Henry qui c'est nouveau premier ministre nommé en lieu et place de Claude Joseph qui revendiquait poste premier ministre. Là. Pour nous faire un journal là, son journal spécial, il est en fait 7 heures avec 25 minutes. Nabzou, il y a 4 personnes qui mourent, il y a 2 autres qui jeunes arrestation. Dans l'opération police nationale, pays d'Haïti a mené un finissement journée mercredi 7 juillet 2021 à Pétionville. De Moun Sayo fait partie de commando qui était entré dans la résidence privée du président de la République, Jovenel Moïse, qui assassiné la condition nous connaît depuis 7 juillet 2021. Juge de peine après Pétionville, M. Carl Henri Destin, qui a fait constat cadavre du président de la République, Jovenel Moïse, dit qu'il avait jeune cadavre là devant un cabane président et avec deux yeux crevés. Pour être cassé, puis cassé, président recevoir puisse passer environ 14 cartouches et des ballottes pour mener un cadavre président dans Pax Villa, dans Port-au-Prince. Entre temps, il y a madame président de la République, Jovenel Moïse, qui était blessé dans l'opération Saratou, pas dans l'opération, dans l'assassinat qui était fait contre le président de la République, Jovenel Moïse, après un petit bout de temps, il était passé dans le pays à recevoir soin dans l'hôpital Canapé Fête, il était pris en avion, ambulance, pour aller dans le pays États-Unis, dans l'État Floride, côté, là, pour recevoir soin, il fait quoi que santé madame n'est stable, ils ont déjà commencé à reconnaître lui, et le tablé a réfléchi sur la situation qui a passé dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021, la police fait quoi que, ils ont libéré plusieurs policiers qui étaient en otage, dans main Badio et l'autre monde également qui ont été marrés concrables, là où ils entré, car le président républicain Jovenel Moïse. Conseil ministre, ils ont arrêté présidentiel, ils ont décrété état de siège sur tout le territoire pays d'Haïti, hein. Donc, vous étendez, ministre, communication et culture dans lui-même qui était intervenu sous situation sale, pour expliquer état de siège, là. Vous étendez également, dans le journal, là, Premier ministre Petit Boutan, Claude Joseph, lui-même, qui t'a parlé sur la situation générale pays, hein, et des GPN à Charles de parler sur l'arrestation commando en dans pays. Hein. L'autant des amis auditeurs, il y a un pile réaction qui sortit que dans beaucoup de communautés internationales hein, et beaucoup de communauté nationale là, nous te dit pour vous, gagné Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, qui est même sous demande États-Unis avec Mexique, qui a organisé une réunion extraordinaire jeudi 8 juillet 2021, particulièrement sous assassinat qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse. En tout cas, le Conseil de sécurité des Nations Unies hein, est-il choqué devant Zach Barbar, ça, il est préoccupé par la situation qui a traversé le pays d'Haïti après l'assassinat président Jovenel Moïse, là, au président de l'ambassadeur pays, la France, qui fait office de président conseil permanent et conseil sécurité permanent Nations Unies lui-même est à parler dans le journal ça président américain Joe Biden lui-même tout qui condamné les assassinats qui fait contre le président républicain Jovenel Moïse il souhaitait que madame là recevoir soin qui nécessaire il présenter sympathie by famille victime là et même gens avec peuple haïtien secrétaire général OEA lui-même tout dit condamné dans terme qui bifort à criminel ça qui fait sous président Jovenel Moïse attaque ça c'est un affront contre communauté internationale là le déplorer tentative pour boycotter démocratie en dans pays d'Haïti. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.